Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on se retrouve pour que je te donne 4 astuces, en tout cas 4 codes secrets à pouvoir mettre sur ton téléphone Samsung par exemple ou ton téléphone Android. Et surtout un, je te conseille pas de le mettre, ou c'est une petite astuce un peu effroyable. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir à la chaîne. Le premier code que je te présente dans cette vidéo, il va te permettre de faire quoi ? De simplement venir supprimer les fichiers temporaires de ton téléphone. Alors sur le téléphone, ça ne va pas s'appeler les fichiers temporaires, mais c'est pour que tu aies une image par rapport à ton ordinateur. Que oui, on a des fichiers temporaires sur notre PC. Et bah sur notre téléphone, c'est exactement la même chose. C'est l'option Dump, State et Locat que tu vas devoir trouver. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment ça marche. Alors pour supprimer les fichiers temporaires de ton téléphone, c'est très simple. Tout simplement, tu vas aller à l'application où tu passes des appels téléphoniques et tu vas rentrer ce code. C'est dièse hashtag et après tu vas simplement aller sur 9900. Et après, tu finis sur dièse. Tu vois que ça t'a lancé un petit menu. Ne t'inquiète pas, tu auras les codes en description hein, si t'as pas eu le temps de les taper tout simplement pendant la vidéo. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est delete les dubstep et les loadcat. En gros, ça va te supprimer quoi ? Les fichiers journaliers du système et les fichiers journaliers de l'application. Tu cliques dessus. Et voilà, tu vois que ça les a supprimés. Ça t'a mis directement delete success. Hop, voilà. Deuxième code que je viens de présenter dans cette vidéo, il va te permettre de faire quoi ? Simplement venir mettre les dernières actualisations et les dernières logiciels sur ton Wi-Fi de téléphone. Alors deuxième code, c'est très simple. On continue toujours avec la petite étoile, le petit hashtag. Et après, on va aller sur quoi ? On tape le 26. Après le 26, tu vas taper le 63. Et pour finir, toujours le hashtag. Tu arrives ici, tu vois que ça t'a lancé une application. Et nous, ce qu'on va venir chercher, c'est quoi ? C'est le refresh Wi-Fi version. Alors ça va te remettre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va te rafraîchir tous les softwares de ta Wi-Fi en gros et te mettre les dernières versions, les derniers correctifs tout simplement. Ça va éteindre ton téléphone puis le redémarrer. Hop, voilà, tu vois que ça s'éteint et voilà, ton téléphone redémarre normalement. Tu peux déjà voir qu'il est connecté en Wi-Fi 6, donc ça remarche directement. Celui-ci va te permettre de faire quoi ? D'avoir l'IME de ton téléphone. Et en gros, l'IME c'est quoi ? Bah, pour la faire vraiment très court, c'est le code de ton téléphone. Si tu perds ton téléphone, bah tu rentres ce téléphone là. Et on sait qui t'appartient. Voilà, tout simplement, pour vraiment te résumer, c'est quoi un IME ? C'est ça. Alors, pour obtenir son IME sur son téléphone, c'est très simple. Tu vas là, donc toujours au même endroit pour passer des appels téléphoniques. Et tu vas simplement taper un petit code qui est beaucoup plus petit que les autres. Tout simplement, c'est quoi ? C'est dièse hashtag 06 et un autre hashtag. Tu peux voir directement, tu as toutes les informations clés du téléphone, ton IME, l'IME 2, l'ID et le SN tout simplement. Quatrième code, ce code-là, il te permet de faire quoi ? Ah, il te permet de remettre n'importe quel téléphone Android à 0. Oui, t'as bien entendu, à 0. J'ai même pas besoin de pouvoir rentrer sur mon téléphone avec mon schéma. Non, pas besoin de ça. Je peux me remettre ton téléphone à 0 en quelques clics. Alors, il y a d'autres options pour remettre ton téléphone à 0 sans avoir le code. En tout cas, le schéma de déverrouillage. Mais là, je te montre comment le faire avec simplement un code. Sinon, il y a des petites manips à faire avec le bouton power, le volume, etc. Mais ça sera pour une autre vidéo. Maintenant, comment remettre le téléphone à zéro au point d'usine, tout simplement, si tu as oublié ton schéma ou autre. Mais n'oublie pas que tu vas perdre toutes tes données dans le téléphone. Alors, ceci, bah, ça va se passer dans l'endroit de l'appel d'urgence. Par exemple, tu arrives ici, tu déverrouilles ton téléphone, tu veux venir passer un appel. Hop, tu as ici, appel d'urgence, tu viens là. Et c'est ici que tu vas mettre ton code. Alors le code c'est quoi ? 55 et tu finis par hashtag et après tu vas simplement appeler en appel d'urgence. Alors moi je vais pas le faire ici parce que j'ai pas envie de remettre mon téléphone à zéro. Ce serait un petit peu bête pour moi vu que je connais le schéma de mon téléphone. On arrive sur la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle t'aura plu. Le dernier code ne l'utilise pas trop, hein. J'espère que je t'ai pas donné de mauvaise idée là-dessus. N'hésite pas à me mettre aussi en commentaire si tu connais d'autres codes sur Android à mettre simplement sur ton téléphone ou autre pour aider les autres personne tout simplement de cette vidéo qui cherche d'autres codes dessus. En tout cas, je vous remercie. On a dépassé les 6000 abonnés. Oui, je fais un petit message sympatoche à la fin de cette vidéo. En tout cas, merci. Maintenant, on vise les 10 000 abonnés. Et je vous le dis clairement, l'objectif des 10 000 abonnés, c'est avant décembre. Bon, je vous spoil un peu. La chaîne, quand elle va arriver au million de vues, c'est-à-dire dans même pas un mois, je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner les stats de toute la chaîne. Même ce qu'elle a rapporté, hein. Sachant qu'elle est monétisée depuis avril 2022. Je ne vous donnerai pas le chiffre exact, hein, mais je vous ferai une comparaison par rapport à ce que
la chaîne en gros. Je peux m'acheter quel téléphone, voilà, tout simplement. Bon, allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. En tout cas, j'espère que la vidéo que je t'annonce, ça te donne envie d'observer un petit peu quand même les stats. Allez, gros bisous comme d'habitude.